Avec Yann, on a fait un parcours de technicité, de rapidité. Après, on a fait un jeu banni. Après, on a fait un grand jeu, on a fait des jeux, on a fait des jeux, on a fait des jeux. Donc aujourd'hui, on a commencé le premier jour de stage par un accueil général avec les enfants. Il y a beaucoup qui étaient qui sont de l'extérieur, pas du club de Salaise. Donc on a fait un accueil général pour que tout le monde apprenne à se connaître. Puis on est allé sur le terrain ce matin avec beaucoup d'activités techniques pour les enfants. Et ils ont été très sages ce matin. Une belle convivialité pour l'instant, un bon groupe de 25 joueurs. On a fini par un match parce qu'ils sont très très à l'écoute pour l'instant. La pause déjeuner s'est faite dans le calme absolu, c'était très, très satisfaisant pour l'instant. Et l'après-midi, on a fait une petite heure de jonglerie où tous les enfants sont notés sur les jongles, ils passeront tous les jours entre midi et deux pour avoir un petit total à la fin de la semaine. Puis on a eu une après-midi futsal, toute l'après-midi on a le futsal pour que les enfants se fassent plaisir et jouent beaucoup au foot. Et là, on attend le goûter avec impatience. Alors ce matin, on est allé sur le terrain, on a reçu nos tenues, on a fait des ateliers de finition, parce que vu que je ne suis pas très bonne, je m'entraîne. Après, on a fait la photo avec les tenues. Après, nous, les trois plus grands, on a fait du gainage. Après, on est allé manger. Après, on a eu du temps calme. Après, on a pris les minibus pour aller en direction du laser game. C'était bien. Bon, on a perdu, mais c'est pas grave, mais c'était bien. Après, là, on va repartir pour le goûter. Aujourd'hui, on a fait le matin, on est arrivé, on allait changer, après on est allé toute la matinée en faisant du futsal, on a fait un tournoi, après on allait manger, après on allait faire une tech, et après la tech, on allait faire des oppositions. Ce que j'ai bien aimé, c'était la tech, parce que c'était amusant. Ce matin, on a fait des exercices, on a fait les échelles et tout, et après on a fini par un match. Et après l'après-midi, on est allé à la piscine. Et j'ai bien aimé le matin les matchs qu'on a fait parce que j'aime bien courir. On apprend beaucoup avec les échelles et la technique et tout, j'aime bien. Ce matin, les petits ils ont réalisé un péril avec Momo pendant que les grands travaillent sur des jeux bannis. Avec Jérémy et Enzo. À midi, on a fait le repas comme d'habitude.
après un temps calme. Et cet après-midi, on a passé l'après-midi à Aqualone. Au retour d'Aqualone, les enfants ont goûté. Ah bah, une très bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Je sais pas, il n'y a pas d'enfants pénibles. Ces jours, ils sont tous joyeux, ils sont tous contents d'être là, c'est bien. Donc aujourd'hui, nous avons commencé la journée par l'accueil classique comme d'habitude, la présentation de la journée. Ensuite, nous avons fait une séance terrain avec pour les grands un thème sur la psychomotricité en début de matinée. Et puis après, des exercices sous forme plutôt de match avec des thèmes travaillés. Aujourd'hui, on a travaillé les jeux sur les côtés et les centres. Et pour les petits, on a fait quelque chose de plus basique. Il y avait de la psychomotricité pour commencer. On a fait un petit match avec un petit jeu de béret. Et on a fini la journée, la matinée, pour un match et un petit tournoi pour les petits et les grands. Après, il y a eu un moment calme pour manger. On leur a fait passer un petit reportage sur l'Euro 2016 qui était chez nous pour un peu leur rappeler les sensations pour ce week-end, pour dimanche. Et voilà, ça s'est encore très bien passé. En début d'après-midi, comme quand on peut, on est allé au gymnase. On a eu le créneau futsal pour les petits et les grands. Ça permet de décompresser, de s'amuser un peu plus en mélangeant un peu les équipes. Donc c'était plutôt c'était un moment convivial où tout le monde a pu un peu s'amuser sans parler vraiment de football. Pour faire un petit résumé sur la semaine de stage, on était agréablement surpris avec les stagiaires, avec Jérémy et Enzo Matteo. On a eu de très bons comportements sur toute la semaine, à part un peu aujourd'hui à l'entre midi et deux, sinon on a eu un très bon comportement sur la semaine. Les enfants ont été très, très à l'écoute, très disciplinés et très autonomes. Donc on avait beaucoup de petits sur ce stage-là et ils étaient très autonomes. En fait, de se changer, de manger, de se doucher, de réunir les affaires. On n'a pas eu affaire à gérer grand-chose avec Jérémy. Donc voilà. On est aussi satisfait des sorties qu'on a fait au Laser Stadium et à la piscine, où les enfants se sont très, très bien comportés et beaucoup amusés. Donc voilà, on est très satisfait avec Jérémy. On tient à remercier aussi Enzo et Matteo qui ont participé toute la semaine avec nous. Des jeunes du 17 qui étaient bénévoles pour faire éducateur avec nous. Et je pense qu'ils se sont amusés aussi. Donc voilà, merci à tous les enfants et aux parents pour ce stage.